Après des études à la Sorbonne, elle a occupé de nombreux postes emplois successivement. Chroniqueuse politique à la RTF, 1950 à 1960. Elle a longtemps été une des grandes voix de la radio française. D'actualité de Paris à Paris Inter. Qui deviendra France Inter. Reportée pour la télévision, 1960 à 1962. Présentatrice d'interactualité sur France Inter. Rédactrice en chef des journaux parlés de l'ORTF. 1962 à 1968. Gaulliste. Elle est contestée par les journalistes en mai-juin 1968. À l'issue de la crise. Elle est nommée directrice de l'information parlée. En remplacement de Pierre Fromentin. Directrice de l'information de la deuxième chaîne de télévision. 1969 à 1972. Directrice de la régie de la Une. 1973, une des deux journalistes ayant animé, avec Alain Duhamel, le débat Giscard Destin F, Mitterrand en 1974, première présidente directrice générale de Radio France, 1975 à 1981, ambassadrice, déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO, 1981 à 1985, Membre de la Commission nationale de la communication et des libertés, la CNCL, qui précède le CSA, 1986 à 1989, présidente du comité d'orientation des programmes de la 5e, à partir de 1994.